Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'avant-dernier sortie journal mi-temps journée sous télévision nationale d'Haïti. Nous avons le journal là qui formation qui concerne les conditions temps et c'est moment pour nous recevoir collaborateur nous William Polidor. N'a quitte suivre. Moi content de ça avec nous aujourd'hui à pour prévision météorologique en regard comment situation est sous région Caraïbes avec sous océan Atlantique là toujours c'est en côtoisie météo de UHM qui c'est unité hydrométéorologique pays d'Haïti de concert avec OFNA qui c'est Office national aviation civile avec TNH c'est télévision nationale d'Haïti en regard comment ça est jeudi à nous gagnons onde tropicale qui supposé arriver sous pays d'Haïti et onde ça par rapport avec la vitesse, il est supposé traverser le pays d'Haïti au cours de journée jeudi ça. Et nous battons avec quelques activités de la vie, mais qui sont vraiment très très faibles. Parce que il y a une zone de pression qui au nord de l'Atlantique, là, qui toujours a influencé les conditions météorologiques sous région. Et nous battons encore aujourd'hui, jeudi, avec un temps qui venteux et ensoleillé au cours de journée. Mais en fin d'après-midi et en soirée, nous avons commencé à gagner quelques activités convectives sous le pays. Dans ce sens, nous avons quelques départements qui sont concernés par l'activité de la pluie. Toujours le département Antibonite, le centre du pays et région sud-pays, toujours gagner possibilité pour gagner quelques averses, mais c'est isolé en soirée et au cours de nuit là et avec ça j'en nous dit assez tilaouzaï cap gain non seulement sous tête mon avec la pluie mais c'est pas go la pluie cap gain parce que zone de haute pression continue à limiter activité convective sous pays à capitale là encore avant bas vent avec soleil au cours de journée mais en soirée ou au cours de nuit, il y a une possibilité pour gagner quelques averses, surtout au sud de Port-au-Prince, de capitale là. Et nous attendons avec quelques averses isolées qui partent trop fort, avec quelques coups de l'orage aussi qui passent par là. Pour page maritime, là, la mer est non seulement agitée sous côte nord et côte sud du pays d'Haïti, capitaine d'embarcation précaution parce que la mer est très agitée. Mais pour le golfe de la Gonave, par rapport avec le golfe de la Gonave, il y a une mer qui peut agiter, c'est-à-dire le golfe de la Gonave, le capitaine est capable de naviguer correctement, mais il faut prendre précaution. Il prend le large pour côte nord avec côte sud pays d'Haïti. Agence astronomique, là, sur la couche jeudi à 7h30. Et l'a levé demain matin à 7h19 minutes. Merci pour fidélité nous avec attention nous. N'a pas croisé demain pour notre page météo. Voilà, c'était avec nous Wilner Polidor pour conditions météorologiques là. Merci Wilner et bonne fin de journée. L'autre information dans le journal là, président public là, Jovenel Moïse participé dans la 39e assemblée ordinaire chef l'État à gouvernement pays CARICOM yo cap déroulé sorti 4 pour arriver 6 juillet dans Montego Bay. 39e rencontre ordinaire ça, premier ministre Jamaïque là André Holness présidé doit permettre pays membres CARICOM yo discuter sous divers défis marché commun et économique dans Caraïbes là et puis sous question qui gain pour avec changement climatique dans région. N'a rappelé président Jovenel Moïse qui rivait dans fin mandali depuis 30 juin passé dans tête CARICOM passé kon lan bay pays Jamaïque qui prend tête organisation pour un mandat 6 mois cap bout 31 décembre 2018 là. Chef l'État doit retourner dans pays d'Haïti jeudi 5 juillet. L'autre information, commission Affaires sociales Sénat chita parlé mercredi 4 juillet avec ministre Affaires sociales la Stéphanie Auguste qui était accompagné avec directeur général Office national assurance vieillesse ONAH Chesnel Pierre, directeur CAS assistance sociale CAS Rodly Simon. Président commission en sénateur Wani Pierre dit commission en satisfait d'intervention ministre à des directeurs yo, li promettent pour continuer à rencontrer Akio dans l'idée pour faire lumière sur toute question qui méritait éclaircissement. Il y a un extrait dans le micro fait d'un confident avec Moïse Wilbridge. C'est une rencontre qui porte un pile fruit pour moi-même et pour la commission en particulier. Pratiquement, il y a un pile point d'ombre qui arrive éclairci. L'ENPRAN CAS, par exemple, qui est la caisse d'assurance sociale,
nous pas connaît comment santé CAST jodi on pense que nous avons ensemble des formations des CAS nous connaît qui département normalement qui bénéficier plus de 65% de ça qui gagne nous pas connaît comme avantage dans CAS nous connaît normalement combien sandakare les asile communal qui gagne dans le pays hein, combien qui a fonctionné hier combien qui gagne aujourd'hui hein. Nous connaît combien restaurants communautaires normalement qui sous l'obédience et CAS nous pensez ne pas connait hier dans niveau ONA qui gagne en pile rumeur nous bien dit rumeur mais nous mêmes comme sénateurs nous pas cacher ta sous rumeur yo et bien directeur général là lui-même il saute bail en pile explication là et moi même moi sorti très 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 satisfait de réponse que li bail à un ensemble de questions qui t'est posé en attendant nous mêmes comme membre affaires sociales moi même comme président nous gagne pour nous fourriger garder pour nous prouver et bien ça directeur général là lui-même il dit nous pour bon côté ça qui gagne en relation avec salaire minimum et je pense que nous gagnons pas mal de informations sur évolution et bien ça qu'a fait sur question ça et le premier ministre dit nous gagne en question de 5e rapport il gagne date limite jusqu'à 30 septembre et li bay garanti avant 30 septembre et bien 5e rapport lui-même l'a bien temps prêt et l'autre satisfaction que nous gagnons c'est pas les fait même que équipe affaires sociales là en particulier ministre là c'est comme si li d'accord inflation lui-même li dépassé 10% et bien qu'il l'accepter et bien et inflation dépassé 10% et bien c'est ce gagne lieu normalement pour gagner ça n'a pas le yon ajustement de salaire alors dans ce sens ça n'a demandé syndicat yo ouvrier yo pour yo prendre petit patience pour yo tande CSS là au lieu que normalement c'est dans la rue problème dans lui-même de résoudre des préférences ces dialogues là qui commencer qui va permettre que et bien tout le monde gagnant va dire que gouvernement nous-mêmes comme monde qui n'a affaire sociale patron yo qui aide au jeune travail pour que normalement j'aime dire tout le monde sorti gagnant. Toujours dans le cadre de la rencontre, le sénateur département de l'Ouest, Jean-Renel Sénatus, dit satisfait pour faire son rencontre de commission Affaires sociales Sénat République organisée. Le parlementaire a profité, demandé aux membres de la commission de continuer le travail sur le dossier. Il une façon pour approfondir, pour permettre de joindre plus de lumière sur quelques dossiers. Mais vite au suivi, un extrait toujours dans le micro fait en confident avec Moïse Wilwich. Moi, tant des ministres, nous tant des directeurs général ONA qui ben, nous ont un paquet d'informations. Et des informations ben, nous que nous satisfaits. Par exemple, on dit que nous avons fait des ordres de sanctionner, moi-même tout, moi responsable de l'université, si nous avons fait des ordres, nous avons sanctionné. Cependant, je voulais que ça fait suivant les principes qui sont prescrits par la loi. Pour ne pas paraître que le personnel nous, comme juge est parti. Nous entendons sous ça. Directeur, on avocat lié, moi-même son avocat lié, nous avons de quoi n'a pas dit. Maintenant, nous avons parlé de questions de transactions faites dans l'ONA qui ont un point d'ombre. Il portait des explications pour nous. L'explication portée, il y a un côté satisfait. Il y a un côté nous demander pour nous le faire, pour nous approfondir et recherche nous, pour nous connaître est-ce que toutes les normes sont respectées. Maintenant, nous finissons, moi-même, moi satisfait parce que le ministre et le directeur viennent répondre à nos questions. Ça ne veut pas dire pour autant que le travail nous arrive dans la fin. Parce que le travail de contrôle, là, nous connaissons son attribution constitutionnelle que lui. Nous continuons à faire des démarches par nous pour nous donner toutes les informations nécessaires. La population doit assurer que nous faisons travail. C'est question grand nec seulement qui a besoin de prêt dans l'ONA. Le directeur a reconnaître effectivement dans pile. Les gens qui ont un gros moyen, qui ont un gros prêt. Nous sommes ensemble avec lui, jeunes garçons qui ont fini dans l'université. Il faut que nous ayons une possibilité, si nous avons besoin d'un cabinet, d'une clinique, pour qu'on puisse prêt dans l'ONA. Et là, nous tous, nous sommes conscients, nous sommes accordés pour avoir des ouvertures pareilles qui sont faites. Et là, on l'a trié produit que le dit ONA a mis dehors d'ici les jours qui viennent pour être capable au moins au service couche qui est plus défavorisée.
Bon côté PAL, directeur général Office National Assurance VS là chez Snell Pierre démenti tout rimet qui t'a psychilé qui te voulait faire quoi dans ONA gain corruption. Numéro 1 ONA fait connaître tout document transaction institution en fait disponible pour vérification. N'invite au suivi en bout dans explication. Point sénateur, sénateur soulevé, il n'y a pas fait objet de gabegie administrative. Et comme deuxième lettre là, parlait de la gestion de l'ONA, nous allons venir sous gestion de l'ONA avec nous-mêmes, honorables sénateurs, et nous allons conclure de par nous-mêmes que c'est la meilleure administration qui gagne depuis 4 ans. C'est avec la mort dans l'âme que m'a suivi sur les réseaux sociaux et encore en recevant une pareille lettre. Les n'a fait effort comme nèg qui sortit dans classe. Et puis nèg qui sortit dans même classe avec nous, il n'a pas gagné assez d'élégance pour encourager nous. Parce que ce n'est pas facile d'occuper une fonction dans l'État. Et je ne pas décourager, je ne pas inviter l'autre pour ne pas décourager. C'est pour décoller. Parce que nous choisirons un pays, c'est parce que nous voulons l'autre bagaille pour lui. Mon ouais, honorable sénateur Sénatus, transmettre un dossier. C'est un coup que le gain dossier n'amène. Nous capable de dire pour commission ou transmettre quelques feuilles des dossiers. Parce que employé qui pirate dans l'ONA, qui fait photo sur Facebook, ou bien qui prend la fait copie, il n'y a pas de dossier n'amène. Parce que la presse, il n'y a pas de bill. Et m'a dit commission, on commence à mettre caméra dans tout service de façon pour bagage ça capable de supprimer. Honorable sénateur, vous connaissez toute appréciation pour vous, surtout en tant que commissaire du gouvernement. Nous c'est des groupes, des classes d'hommes qui viennent pour faire bagage pour le pays. Voilà, c'était déclaration DG ONA chez Snell Pierre dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Toujours sous même dossier, le ministre Affaires sociales et travail à Stéphanie Auguste fait connaître pas de corruption dans le ministère, contrairement à ce que quelqu'un a fait connaître. Puis loin, le ministre l'a annoncé, Gamézika prend au niveau tout département pour permettre projet de développement social. Gouvernement La Fontan avec administration Moïse là, rivé dans tout quartier en dans le pays. Il y a extrait dans le micro Colo Elizer. Ça, c'est chèque que justement, sous administration, moi, nous qui sommes côté bénéficiaire, nous pas côté bénéficiaire, pas venir réclamer chèque. Et nous avons déjà nous éliminé chèque parce que pas venir réclamer. On prend un exemple, côté nous perforer, et chèque ça, nous pas retourner dans le ministère des Finances. Donc, les hommes, alors, nous avons fait une photocopie de documents, malheureusement. Alors, ça, c'est un lot que je vais montrer. Nous avons l'autre toujours. Donc, ça, c'est original de chèque. Nous avons écrit void sur eux, mais pour ne pas avoir mal entendu, nous perforer. Nous avons l'autre lot encore que nous avons. Ça, c'est des chèques qui étaient déjà émettés, mais bénéficiaires. Pas venir chercher n'a montré et ça chaque chèque ça c'est 1500 goud qui c'est allocation qui que bénéficiaire yo un chèque toujours que non kembe. Alors si il y a des bénéficiaires qui connaît que yo te kon recevoir yo pas recevoir non disposé disponible pour nous si par erreur nous mêmes nous t'ai annulé chèque yo pour nous ta restituer yo parce que nous voulons que pour chèque yo pour y adjoindre vrai bénéficiaire. Nous t'ai nous à fait de 5000 environ 5000 mais n'attend toujours parce que c'est chaque mois que chèque yo a permettre pour jusqu'à ce que mon voyer finance nous dit bloquer chèque ça yo n'attend un effectif de 3 mois depuis mon a fait 3 mois pas venir chercher nous couper nous voyer d'aller là nous environ de 5000 mais des comptes là a fait pour nous pas pour nous graduellement au niveau de contrat pour CAS pas grand-chose nouveau contrat qui signé pour CAS.
Et par rapport tout à pour nous t'a respecté 32 vies de l'État, toute location machine campée dans CAS. L'autre dossier dans le journal là, comité pilotage état général sectoriel nation arrivé dans le département nord pays a. Et puis je t'ai parlé avec citoyens qui sorti tout partout dans le département ça lundi 2 juillet 2018 là. Au dehors les Fenel Toussaint était sous place pour être vivre qui j'ai ambiance l'entier. C'est dans la date 28 mars 2018 là, président République là Jovenel Moïse te prend décision pour mettre campé comité pilotage ak secrétariat technique état général sectoriel nation. Yon décision qui prend pour permettre tout haïtien sans distinction placer mo payo sous ensemble problème pays a fait face et puis venir avec solution. Plusieurs jeunes dans cadre 3e grand forum départemental là féliciter initiative ça. Son très bonne initiative et m'a souhaité participer au well comme yon moyen seulement pour yo critiquer gouvernant. Donc bon dit de manière plus large gouvernant yo, mais yo ta de considérer tout comme yon espace yon même pour questionner participation comme citoyen. Si m'a payé taxe, m'a pas exiger gouvernement, OK, pour le bon service. Et si m'a fait pression sur gouvernement, m'a pas là que m'a jeune service, m'a pas capable critiquer l'autre citoyen yon même qui fait effort. Et également si m'a voye bon député par défaut non, si m'a voye bon représentant dans parlement pour qui opérationnaliser fonction de contrôle, fonction de législation, fonction de représentation, je ne peux pas plaindre le fait qu'ils ont lissé parfaitement dans la zone parce que la zone n'est pas représentée. Nous avons quelque chose qui a abouti à un râle et souffle, quelque part, si ça va sécuriser. Parce que le problème pays a en pile. Pas de côté au moins, pays a pour pas ouais, il y a un problème. Initiative, ça, c'est une initiative qui me pensait qu'il doit être sérieux. Moi, j'espère que l'initiative, ça, il peut être quelque chose de changement. Secrétaire exécutif, secrétariat technique, état général sectoriel, nation 1, lui, nos pierres, quoi, participation population 1, dans l'activité, ça, montrer qu'il y a plusieurs changements qui fait dans le cadre forum départemental, là. Mounio vient rentrer dans l'autre logique de mobilisation. Et peut-être que, si nous avons tout débat, yo, et gon rejet à la fois des formes de mobilisation avant yo, c'est-à-dire que question de à mobiliser autour de candidats. Peut-être que acteurs viennent là yo, peut-être que c'est mon profil particulier, c'est peut-être que c'est moi qui pas trop engagé des candidats ou des partis politiques. Donc peut-être que on peut se plus critique, mais globalement, ouais que mon yo yo plus intéressé à problème qui a confronté quotidiennement au niveau local. Et ils sont plus préoccupés pour être capables de chercher des solutions collectives à des problèmes communs. Et ça, c'est un changement. Parce que jusqu'à présent, nous apprenons à chercher, n'a rien pour sortir. Donc chaque monde essayait de trouver des solutions, gens capables, et selon moyen, selon réseau qu'il gagne, selon puissance qu'il est capable de déployer. Donc moi, c'est que nous avons assisté à un changement de mentalité, à un changement de vision, à une sorte de transformation. Et en tout cas, c'est ça que rencontre que nous faisons, ça permet de constater ça. En Chita Palé, c'est thème qui kembe pour grand forum ça, cap gen pour toucher tous 10 départements géographiques pays à nord-ouest, nord-est et département nord pays à ces 3 départements qui déjà recevoir comité pilotage état général sectoriel nation. Merci Rodney ak Toussaint. Augmenter l'accès à l'électricité à travers des réseaux autonomes, c'est sous thème sa activité chaque semaine qui baptise mercredi réflexion, Banque Interaméricaine de Développement déroulée mercredi 4 juillet 2018 là. Activité ça été occasion pour participants yo réfléchir sur problème pays a fait face dans affaire énergie, électricité et puis chercher ensemble solution à problème ça yo. N'invite au suivi en compte rendu à Rachel Saint-Fort. D'après organisateurs, activité réflexion ça rentre dans 4 promesses président République là pour bay population courant 24/24. Activité ça té occasion pour représentants diverses institutions publiques ou privées, partenaires internationaux qui impliqués dans affaires énergie, électricité dans pays a brasser l'idée sur question ça, garder point fort ak faiblesse yo et puis faire proposition pour augmenter accès à l'électricité dans le pays. La réflexion aujourd'hui, c'est nous devons sensibiliser tout le monde, en plus l'expert qui est venu, pour nous montrer que nous n'avons pas besoin de 30 ans ou bien 25 ans pour nous avoir un gros réseau
pour nous faire extension sur yo, mais avec moyen nous rien yo, de temps en temps nous ca mettre un micro réseau un côté comme ça rapidement et on va prendre plusieurs zones, on va prendre 5 zones et pour installer 5 micro réseaux en même temps dans différentes zones ça yo, comme ça accès à l'électricité a augmenté très rapidement. Directeur général électricité d'Haïti à Hervé Pierre lui expliqué qu'il a travaillé au niveau institution pour produire plus courant. Directeur général EDH lamenté population pour porter contribution pas dans sens ça pour faciliter EDH plus performant. Côté EDH, n'a travaillé pour nous produire plus. Nous avons gardé dernièrement centrale Pélig, réhabilitation finie. Actuellement, nous venons de dire là, comme gain de l'eau, dans la mesure de bail 50-54 MW. C'est plus production, plus commercialisation. Nous avons bataille pour que nous kembe, pour stabiliser les résultats que nous commençons à venir. Et m'a profité de présence après ça pour nous dire que ce n'est pas seulement en dans EDH pour qu'il faut au fait, faut population en tout. Respecter date limite pour payer Bordeaux. Il faut que la population tout comprenne qu'il faut sortir dans la question vol, dans la question prise, parce que ça a un danger là-dedans. Directeur général Autorité nationale régulation secteur énergie Evenson Calixte fait qu'on est programme pour améliorer accès à l'énergie électricité dans le pays à Chita sous trois volets. Programme électricité président de la République et puis gouvernement Moïse Lafontaine en général, il y a trois volets là-dedans. Il y a un volet qui se met en place le réseau électrique national. Ça veut dire qui ça concrètement. Il y a 10 réseaux régionaux qui fonctionnent de façon indépendante. On va augmenter la capacité de production. Il y a un hectare 20 MW qui passe à 40 MW. Il y a un hectare 10 MW qui passe à 30 MW. On va augmenter la capacité de production. Faire fonctionner. Et puis on commence à fonctionner de façon optimale pour interconnecter. Ça, c'est le premier axe dans le programme énergie gouvernement. Deuxième axe dans le programme énergie gouvernement. Bien côté réseau national n'a pas jamais arrivé à cause de conditions territoriales. Côté régional, réseau n'a pas arrivé à nous dire que nous allons développer plusieurs mini-réseaux. Et tout mini-réseau, ça va pour utiliser énergie propre, soit énergie solaire, là, énergie vent, énergie de l'eau, énergie ou jeune dans la biomasse. Pour le troisième axe qui va aller, section communale, les zones vraiment habitées dispersées, maisons gagnées une par rapport à l'autre. Côté maison ou gars par rapport à l'autre, nous dit que nous allons développer ça nous relais une stratégie qui relais système solaire autonome. Ça nous relais des petits systèmes solaires qui installés et la caïmonio. Responsable a expliqué, il a continué travail, réfléchi à différents acteurs concernés dans la question énergie et électricité pour chercher ensemble puis bonne stratégie qui permet de répondre à problème pays a connaît dans domaine ça et puis faciliter population jeune courant. Merci Rachel et Robert. Voilà, zone téléspectateurs, c'est sur information, ça n'a pris un coup de pause dans le journal là, pas déplacé, n'a tourné. Commission Affaires sociales, Sénat, Chita parlé mercredi 4 juillet avec ministre Affaires sociales là, Stéphanie Auguste, qui était gain avec lui, directeur général Office national assurance vieillesse, ONA, chez Snell Pierre, directeur caisse assistance sociale, CAS, Rodly Simon. Décision de Chita sur l'activité ministère a mené dans l'intérêt de la population. Augmenter l'accès à l'électricité à travers des réseaux autonomes, c'est sous thème ça activité hebdomadaire. Mercredi réflexion, Banque Interaméricaine Développement, déroulée mercredi 4 juillet. Comité pilotage État généraux sectoriel Nation, rencontré week-end passé, moun ka viv dans diverses communes dans le département Nord-Est et dans le pays. Rencontre sa fête dans l'idée pour des revendications habitants ka viv dans le département Sayo. Voilà, amis téléspectateurs, c'était un plaisir pour nous être ensemble et c'est la journée à la bout pour aujourd'hui. Merci pour fidélité ou attention. Nous invitons à rester branchés Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bon après-midi tout le monde.